Les supporters stéphanois, notamment, sont attendus tout l'après-midi. Gare de Lyon, Camille Gelpi, on vous y retrouve en direct. Les supporters affluent et attendent maintenant cette finale avec impatience. Ouais, dans 30 secondes, ça passe. Oui, c'est ça. De nombreux supporters sont déjà arrivés. Ils arrivent ici depuis midi et même certains sont arrivés par leurs propres moyens dès ce matin. Alors on attend un dernier gros contingent de supporters vers 16h30. Un TGV affrété par le club va amener les supporters, les Magic Fans, les Ultras stéphanois. En tout, ce sont plus de 4400 supporters qui sont attendus. Et puis ici, il y en a qui sont déjà arrivés mais qui attendent leurs copains qui vont arriver tout à l'heure. Alors je suis par exemple avec Fabrice. Fabrice, depuis combien de temps vous êtes supporter de Saint-Etienne ? Les supporters Saint-Etienne depuis 76. Donc si vous faites le compte, on arrive à 38 ans. 76, c'est des bons souvenirs, j'imagine. 76, c'est bons souvenirs, mais j'étais tout petit. Les meilleurs souvenirs, ça remonte à un peu moins loin. Quoi. Quoi, par exemple ? Par exemple, la semaine en deuxième division, où deux fois on reçoit Guignon et deux fois on bat Guignon. Et on occupe la première place du championnat. Alors, en plus, vous me racontiez que vous avez vécu à l'étranger plusieurs fois, mais que vous n'avez jamais cessé de supporter les Versailles Sacerdoce. Oui, non, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, à Mayotte, j'ai vécu au Japon, vécu à Tahiti. Mais bon, les Verts, ça reste les Verts, et les Verts, c'est à vie, quoi. Alors, à votre avis, ce soir, le stade, il sera de quelle couleur ? Ce soir, le stade, il est à 60-65% vert, c'est obligé. Est-ce que vous avez l'impression que toute la France est derrière les Verts ? Toute la France est derrière les Verts, à part une petite partie de la Corse qui va soutenir Antonetti, et à peu près la moitié de la Bretagne, puisque Rennes, c'est pas réellement la Bretagne, Rennes, c'est l'Ille-et-Vilaine. Alors, si toute la France est derrière les Verts, il va falloir quand même les encourager hein, sur le terrain. Est-ce que vous avez prévu des petits chants, j'imagine ? Non, mais tout est prévu. De toute façon, ce soir, on retourne Paname, il n'y a pas de problème. En chant, vous êtes prêts là à faire une petite répétition ? Bah on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Allez, vous nous l'avez dit, hein, Camille Gelpi, les Verts c'est la vie, image ici hein, qui nous le prouve.